Salut à tous, ça fait longtemps qu'on n'a pas fait le petit cours de géographie. Alors voilà, bord d'Initiative Cœur, la carte de l'Antarctique. Avec Bonne Espérance là-bas tout là-haut, on est rentré donc dans l'océan Indien au début du mois de décembre. On a passé les premières portes de l'océan Indien, on est arrivé au Cap Lewin et c'était le jour de Noël, donc génial. Donc le cap, le premier cap de l'Australie, en dessous de Perth. Ensuite on a passé la Tasmanie et la Nouvelle-Zélande. Et pour le réveillon, et ben on passait ici cette ligne de changement de date. Donc du coup j'ai fait deux fois le réveillon. Donc c'était assez extraordinaire et assez original comme, comme réveillon cette année. Et ensuite on est donc rentré à peine dans l'océan Pacifique, le plus grand océan du monde. Dans 4 jours, on va arriver au Cap Horn. Et ensuite, ça sera la remontée dans l'Atlantique. Donc environ un mois, donc 7000 milles pour arriver au Sable d'Olonne. Donc dans ce chenal, il ne faudra pas relâcher la vigilance pour autant, parce que l'Atlantique c'est encore long, la course n'est pas finie. Mais c'est vrai que le passage du Cap Horn, ça sera ce troisième cap de la course. Et cet objectif très, très important qui ensuite ouvrira la porte l'arrivée au Sable d'Olonne.